Puis, bah, écoute, la vieille Rococo ne pense certainement pas que si certaines personnes comme moi ont quitté les réseaux sociaux, c'est parce que, bon, voilà, vous nous avez traumatisés ou je ne sais pas trop quoi, je pourrais dire, non, je ne sais pas. En fait, si nous avons quitté les réseaux sociaux, c'est parce que, un, on a trouvé mieux. On s'est dit, au lieu de perdre ce temps qu'on passe à faire du n'importe quoi sur les réseaux sociaux, ben, t'as même mieux tu retournes à l'école. Pas en formation. Parce qu'il faut faire une différence entre la formation et l'école. Et moi, je suis retournée à l'école pour obtenir mon diplôme en médecine. Pas une formation en médecine. Un diplôme en médecine, s'il te plaît. Je te parle d'un diplôme en médecine. Donc, toi et moi, en fait, nous n'aurions jamais rien à causer. Nous n'aurions plus jamais rien à causer. Toi, tu vas parler de pangolins, de porc-épic, des vipères, de ceci, de cela. Et moi, je vais répondre quoi? C'est pas mon niveau. T'es pas mon niveau, t'es pas ma classe, t'es pas ma carrure. Mais j'étais chassée, la vieille. J'étais chassée au vu et au su de tout le monde. J'étais chassée. Tu n'es pas mon niveau. Tu n'es pas le niveau de NK là-bas, c'est trop loin même. Tu n'es pas le niveau de Biscuit de mer, c'est trop loin. Tu n'es pas le niveau de Carole Abena, c'est trop loin. Moi, quand je cherche ton niveau, franchement, j'ai même l'impression que même Zomobem te dépasse. Même Zomobem te dépasse. Je ne te mens pas. Parce que toi, en fait, à part avoir eu la chance de la vie d'hériter d'un mort, et s'il te plaît, tu n'es pas la seule à avoir épousé un blanc. J'espère que tu le sais quand même. Que toutes ces femmes-là, y compris moi-même, nous sommes des épouses. Épouses, épouses. Moi, je suis épouse. Moi, je suis épouse aussi, hein, si tu veux savoir. Ce n'est pas parce que je ne donne pas mon nom marital. Donc, tu n'es pas la seule et la première à avoir épousé un Suisse. Ah, on est nombreuses. Nous sommes nombreuses ici. Mais on ne fait pas comme toi. Tu es villageoise. Tu es mal éduquée. Tu es sale. Tu es. Je ne sais même pas quoi le dire. Mais pour dire vrai, j'ai envie un jour de parler d'un de tes vrais shows. Mais je ne trouve pas. Parce que le seul vrai show que tu aurais pu avoir, c'était encore mon beau-frère, Papy de Longchamp. Quand tu es venu me raconter comment t'aimes trop les jeunes, t'as envie de draguer Papy et tout ça, et que je t'ai découragé, je t'ai dit que non, c'est d'abord un jeune. Et en plus, c'est le mec de ta copine, René Star de Lille. Ça le fait pas. C'est de là où est venu ton macabo avec moi. Parce que je me suis dit, mais cette femme, elle console tous les jours Star de Lille, René Star de Lille. Mais pas derrière, elle veut plus avec son mari. Ça s'appelle quoi? Pour vous, c'est quoi, s'il vous plaît? Pour vous, on appelle ça quoi? Chez moi, on appelle ça de la sorcellerie. Chez moi, on appelle ça de la sorcellerie. Tu as mangé l'iboka là-bas, là-bas au Gabon. Tu as mangé ton iboka au Gabon. Nous, on ne connaît pas l'iboka au Cameroun. Et comme je t'ai toujours dit, appelle-moi Biolo. Et pas biolé. Je ne suis ni gabonaise, ni de la Guinée équatoriale. Je suis du Cameroun, le pays de Samuel Eto'o, le pays de Paul Biya, le pays de Roger Milla. Allez, va-t'en, sale petite malade.